pas dit que tu devais faire le FOC? Hein? Le FOC? Ah, le FAQ! Ouais, bah attends, je joue à GTA là. Tu bosses tout de suite ou je débranche? Bon, ok, ça va. Allez. Tout de suite, les 20 questions que vous m'avez posées et que je vais répondre dans un FAQ. Ou un FOC. Non, mais allez, tu te grouilles, hein! Salut, c'est Phoenix Dark. Merci de vous être abonné à ma chaîne YouTube, c'est super sympa. Et 500 abonnés quand même. Pas mal, pas mal. Merci, c'est super. Et aussi merci de m'avoir posé plein de questions par mail partout, sauf Twitter. Je sais pas pourquoi vous aimez pas Twitter, peut-être. Je sais pas. Et donc j'ai relevé 20 questions que vous m'avez posées. Il y en a qui se recoupent, il y en a c'est les mêmes. Donc je vais y répondre tout de suite. Question 1. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Ben, le cinéma, Matrix, tout ça, les effets spéciaux, j'adore, c'est mon dada, comme on dit pas. Donc, ça a commencé, c'était un été, on se faisait chier avec un pote, on a décidé de faire une vidéo bourrée d'effets spéciaux, parce que je venais de découvrir After Effects, tout ça, et c'était génial, on s'est éclaté à faire n'importe quoi, de la merde, si vous voulez voir la vidéo, vous pouvez cliquer dessus. Voilà. C'est quoi ton aliment préféré? Le Roquefort. Ça va de soi. Est-ce que Jimmy Jefferson reviendra bientôt? Rien de prévu pour Jimmy pour le moment. Si vous voulez voir qui est Jimmy, lien de la vidéo ici. Mais j'ai pas de nouveau scénario pour le moment. J'avais une vague idée à un moment, mais rien de spécial. Donc, désolé, pas de Jimmy Jefferson pour le moment. T'es d'où? J'aime bien ton accent. Du sud, ça s'entend? Non. Pas loin de Montpellier, Gange, tu vois. D'ailleurs, j'ai fait la vidéo Gange Style. C'est ma ville. Mais j'ai pas d'accent. Pourquoi Phoenix Dark? Excellente question qu'on m'a posée moult et moult fois. Pourquoi? Eh bien, à cause du film Mystery Men. Dans Mystery Men, il y a Ben Stiller qui s'éclate à faire l'homme en colère, l'homme colérique, enfin, un fou. Et à un moment, il doit donner son vrai nom à une fille. Il dit qu'il s'appelle Dark. Phoenix Dark. Bon, après, il se reprend et tout. Mais j'ai kiffé ça, et voilà. Rien à voir avec le Dark Phoenix de Marvel que je connaissais pas encore à l'époque. Extrait. Comment tu t'appelles? Tu veux dire mon identité secrète? Ah, ça non, je... Non, je veux... Je veux juste que tu me dises ton prénom. Mon prénom, d'accord, c'est Phoenix. Phoenix Dark. Où as-tu trouvé le Wally derrière toi? Il n'y a pas de Wally derrière moi, parce que j'ai changé d'endroit. Il est là-bas. C'est un Wally que j'ai fait en Lego, tout simplement. Il m'a pris environ 2 jours à base de photos, de figurines, de trucs comme ça. Je me suis bien éclaté. Voilà, fait le coup qui n'est pas encore tout à fait au point, mais voilà quoi, c'est Wally. Es-tu en faveur de la congolexicomatisation des lois du marché? Et oui, c'est clair! T'as quel âge? J'ai 26 ans. Pendant encore 15 jours. Poney ou aquarelle? Pourquoi tu n'es pas plus connu? Ça, on me le dit toujours, c'est sympa, c'est gentil, ça fait plaisir, mais parce que vous partagez pas assez mes vidéos, vous êtes méchants. Je sais pas. On doit pas aimer mon accent. Je fais de la merde. Je sais pas. Avec quoi filmes-tu? Alors actuellement avec un Nex 5 de Sony, Nex 5N pour être exact. C'est un appareil photo hybride. Il y a un petit micro dessus. Coucou. Et aussi avec une caméra que je sais plus où je l'ai mis. Petite caméra Canon HD qui me sert à faire des fois double caméra, c'est pratique. Mais le Nex 5 est beaucoup mieux parce qu'il fait du 50 fps pour les ralentis, c'est top. Tu veux un ralenti? Tout de suite, un ralenti. Quel est ton logiciel de montage? Adobe Premiere Pro, CS6, After Effects, CS6, et c'est tout. Si un petit peu de Photoshop des fois pour des petits trucs, mais... Voilà, c'est tout. T'es heureux maintenant? Eh ouais. D'où t'es venue l'idée des sans spoiler?
Eh ben, il n'y avait pas de vidéo comme ça. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas faire une critique des vidéos, des films qui passent actuellement au cinéma. Ça peut être sympathique. Va-t-il y en avoir d'autres? Peut-être. Non, parce que en fait, j'ai vu que c'était quand même beaucoup de boulot de faire un sans spoiler. Je me suis dit, ouais, je vais faire ce truc, ça sera vite fait, clac, clac, clac. Mais en fait, à chaque fois, je peux pas m'empêcher de mettre au moins un effet spécial. Il faut écrire avant, il faut avoir vu le film aussi. Bon, j'en vois beaucoup de films, mais j'ai pas trop le temps de tout faire. Mais je pense que je vais faire un par mois sur un film qui m'a marqué, soit parce qu'il est super pourri, soit parce qu'il est super cool. Du coup, les notes, il faudra que je change un peu. Enfin, je verrai. Mais bientôt, le retour des sans spoiler. On y croit. Insistit. Pourquoi dans les sans spoiler, tu n'es pas directement avec Sistit à côté de toi au lieu de la mettre en cut? Ben, c'est parce qu'en fait, elle n'est pas du même monde que nous. Je vais vous le prouver en image. Voilà, on se rend pas compte, mais si on incline légèrement la caméra sur le côté... Non, attends, passe-moi la caméra. Je vais leur montrer. Allez, vas-y, dis bonjour, Sistit. Salut, ça va? Voilà. Jeu vidéo préféré? Alors, il y a un jeu qui m'a marqué de tout temps, c'est The Longest Journey. C'est un jeu de point and click, très vieux, assez moche maintenant, mais il y a une putain d'histoire, il est long, il est super sympa, il y a des personnages et tout. J'ai sûr qu'il fait ce jeu, je l'ai fait plusieurs fois, mais j'ai pas connu mieux depuis, je pense. Voilà. Bon, après, il y a eu la suite, Dreamfall, mais qui était pas... Voilà, quoi. Et peut-être que là, ils vont sortir encore une suite. On y croit. J'attends surtout un remix HD, peut-être un jour, ça serait aussi sympa. T'as une copine? Coquine? Non. Pourquoi Sistit? Parce que je fallait bien une copine. Non, parce que j'aime bien parler avec quelqu'un, ça fait un dialogue, quoi, c'est sympa. Puis Sistit, ça vient aussi, c'est peut-être que c'est ça pourquoi Sistit le nom, ça vient de l'infirmière syphilis d'Adoprixtoxis. Adoprixtoxis, la saga MP3. Voilà, je me suis dit, oh, c'est marrant, syphilis, Sistit. C'est drôle! Pourquoi tu dis tchou++ à la fin de toutes tes vidéos? Eh bien, ça, c'est un vieux trip avec. On en revient à la première vidéo d'ailleurs. Avec Pierre Oracou, le même type, qu'à l'époque de MSN. Ouhou, on discutait le soir après le lycée et on se disait tchou, et moi je disais plus, et du coup c'est devenu tchou++. C'est rigolo. Voilà, c'est un petit clin d'œil, quoi. Projet YouTube à venir? Manque un sujet, un verbe, un complément, et COD là, non? Bon. Oui. Projet YouTube, donc je vais peut-être faire une sorte de web série film, je sais pas encore ce que ça va donner, avec un nouveau personnage, donc excite Jimmy Jefferson pour le moment, et bienvenue à... Je vais rien dire, j'ai un teaser que je vais vous lancer tout de suite. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que je fais?
Merci de... Merci, c'était super sympa. C'était super sympa. Merci. 500 abonnés. Donc merci de m'avoir envoyé plein de questions. C'était super sympa. Donc merci de me suivre, c'était super sympa. Mais c'est pas fini, il y aura encore plein d'autres conneries. T'inquiète. Tchou plus.